nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. A regular pint-sized atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Bienvenue YouTube dans ce 26e épisode du Souls Project sur Fallout 4. Nous sommes dans un souterrain sous l'église All North Church à laquelle nous sommes arrivés en suivant le chemin de la liberté. On a la moitié du code parce que Jerry, qui notait le mot de passe la dernière fois, n'est pas là. Et Ice a les 4 derniers bouts du code que formait le chemin de la liberté. On va essayer de pas crever, ça fait un moment qu'on n'a pas sauvegardé. Et voilà, donc là on avait décimé une goule tout à l'heure qui passait et repassait, et repassait, tout ça. J'ai pas envie d'aller dans les zones où je vois pas. Plastique, aluminium, ouais j'ai besoin des deux, c'est worse. Bon bah la prochaine étape de silencieux ce sera le craft du silencieux sur notre... 10 mm, on gagnera pas mal en dégâts, je pense. Je suis très très prudent parce que j'ai pas envie de mourir maintenant. Coucou. Nous sommes desséchés à cause du manque d'eau. Vite, 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 vite. Et voilà, on est bien hydraté maintenant. Ice, il a retrouvé les lettres de la dernière fois. Attends, t'es vraiment allé sur YouTube, check l'épisode pour retrouver le mot de passe de la dernière fois là. Putain, le mec est un héros. Bon, on a eu de la chance que je lui tire dans les jambes parce que je l'avais pas du tout vu. Et j'ai eu un aim dégueulasse. Mais c'est vrai que sans les jambes, il marchait beaucoup moins bien. Et voilà. Et voilà. Nous allons pouvoir mettre nos lettres sur l'anneau du chemin de la liberté. Alors, je suis pas sûr de l'ordre, mais c'est le bon code. Ah, il le connaît en fait. Et coucou Jill. Alors, attends. Un R. Ça tourne. A. Ça commence donc par un R. Putain. Merde, non. Faut que je refasse tout, ouais, ouais. Faut que je refasse tout. Normalement, c'est bon. 3i. Et pourquoi maintenant c'est sens horaire? Parce que le I il est juste à côté du A. Tu peux tourner dans les deux sens. Bah. Ah ouais. Ok, j'ai compris. 3i. Ensuite, 4L. R. Oh merde. Oh merde. 5 R. Six O. 7A, et en fait c'est pas E parce qu'il y en a encore après. Et 8D. Et voilà. Mais attends, ça donne quoi en fait? Ça donne, je vais l'écrire dans le chat.
Donc 2 secondes YouTube. Ça donne R A la Railroad. Ah oui, bah oui, chemin du rail. OK, très bien. Oui, je suis bête. Je l'avais à ma première partie, je l'avais fait ça. Et bon appétit du coup Bloom Bloom. Donc du coup, ça donne Railroad. Alors, qu'est-ce que c'est le Railroad? Oh là là. Bon, c'était le chemin de la liberté. Moi, je sais ce que c'est le Railroad. Alors, arrêtez de m'embêter. Pas un geste. Non, pas un geste. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour arranger cette rencontre. Mais avant d'aller plus loin, vous allez répondre à mes questions. Qui êtes-vous? J'ai suivi le chemin de la liberté pour trouver le réseau du rail. Je n'ai rien contre vous. Si c'est vrai, vous n'avez rien à craindre. Qui vous a expliqué comment entrer en contact avec nous? On a trouvé une holobande. J'ai juste entendu une rumeur vous concernant à Diamond City. Je vois. Je m'appelle Desdemona. Et c'est moi qui dirige le réseau du rail. Et vous? Deacon, où t'étais passé? Vous avez organisé une petite fête? Sympa de m'avoir invité. J'ai besoin d'infos. Qui c'est ça? Eh, hey, t'es pas au courant? Ce type a déjà une réputation dans le coin. Je n'aime pas trop qu'on m'espionne. C'est pas ce que vous croyez. Des tas de gens ont entendu parler de vous, c'est tout. C'est ça, ouais. On t'a vu, à Good Neighbor. Que dis-je? Un conteneur entier de Nuka-Cola pour ce que vous avez fait à Kellogg. Pour nous, c'était l'ennemi public numéro un. Alors, tu te portes garant de lui? Ouais, fais-moi confiance. On a intérêt à l'avoir de notre côté. Bon, ça change tout. Alors dites-moi, pourquoi vous vouliez nous rencontrer? Mon fils, Sean, a été kidnappé. J'ai besoin d'aide pour le retrouver. Quelqu'un a enlevé votre fils? Je suis désolé. Vous savez qui a fait le coup? J'espère sincèrement que ce n'est pas l'Institut. Et si? C'est Kellogg qui l'avait kidnappé. Au moins, vous avez eu votre vengeance. Mais ça ne vous a pas rendu votre fils. Je vais demander à Deacon de se renseigner. Si quelqu'un peut retrouver la trace de votre fils, c'est bien lui. Si on doit travailler avec vous, je dois m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous savez ce qu'est un synthétique, pas vrai? Oui. Je sais tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet. Bien. L'Institut les considère comme des objets qui lui appartiennent. Des outils. Mais les synthétiques sont bien des machines, non? Et les machines sont des outils. C'était le cas au début. Mais s'il est impossible de faire la différence entre les synthétiques et les humains, il faut les traiter de la même manière. Donc on essaie de libérer les synthétiques de leur chaîne, de leur offrir une vie normale. J'ai une question pour vous. La seule qui compte. Est-ce que vous risqueriez votre vie pour votre prochain? Même si ce dernier était un synthétique? Alors en gros, on veut qu'il nous aide. Mais on est quand même un mec furtif et solitaire. Donc on va dire que ça dépend. Ça dépend des circonstances. J'ai besoin d'une réponse claire. Est-ce que vous risqueriez la mort pour sauver un synthétique? Oui ou non? Bon, on va leur dire oui, sinon ils vont pas nous aimer. J'ai fait le serment de protéger mes compatriotes à une époque. Je ne vois pas en quoi ce serait différent. Bien dit. On fera tout ce qu'on peut pour retrouver votre fils. Ce que l'Institut a fait à votre famille et à tant d'autres, c'est justement ce qui nous motive. En temps normal, vous correspondriez exactement au type d'éléments qu'on essaie de recruter. Mais on n'a pas le temps de former de nouveaux agents actuellement. Ceci dit, il y a d'autres manières de contribuer à notre cause. Et en échange, on pourra aussi vous aider. Deacon vous en dira plus. Vous pouvez y aller. Et voilà, donc les Bibouxelles, nous découvrons le réseau du rail. Nous sommes en bon terme avec eux. Et compte tenu de... Je m'étouffe. Compte tenu de leurs idéaux et de leurs méthodes, c'est la faction avec laquelle on va s'allier dans cette partie du Stealth Project, donc cette partie furtive. Dans d'autres parties qu'on fera, d'autres gameplay, d'autres roleplay, on s'alliera avec d'autres factions, mais là c'est avec eux. Et j'espère que le comité d'accueil voilà. Ne vous a pas fait peur. Quand on se frotte à l'Institut, on doit faire gaffe quand une nouvelle tête s'invite à la fête. Bon courage pour trouver de l'aide si vous réservez ce genre d'accueil à tout le monde. Faut pas trop en vouloir à la patronne. Elle essaie juste de veiller sur toute sa marmaille. Mais tout va bien maintenant. Je me suis porté garant de vous, et personne n'a fini en gruyère. Enfin, si vous pouviez éviter de nous vendre à l'Institut, ce serait super sympa. Je vois l'idée, Ice. Dommage.
J'espérais bien en tirer de quoi m'offrir quelques bières. Si vous payez votre tournée, n'hésitez pas. Dez veut faire de vous un de nos touristes. C'est le nom qu'on donne à ceux qui font des petits boulots pour nous, ici et là. Du gâchis, si vous voulez mon avis. Je vais vous le dire, Franco, le réseau du rail a besoin de vous. Je suis tout ouïe. J'ai un boulot impossible à faire seul, mais avec vous, ça sera nickel. Vous me filez un coup de main, on fait parler de nous, et Dez vous accueillera à bras ouverts. Et si vous vous retrouvez dans le pétrin un jour, vos potes du réseau du rail seront là pour vous. Bon, on accepte, hein. Dans ce cas, je signe tout de suite. Désolé, parfait. Je refaisais mes lacets. Retrouvez-moi sur la vieille autoroute à la sortie de Washington. Une fois là-bas, je vous mettrai au parfum. Retrouvez Deacon près de la vieille autoroute. Moi, ce qui m'intéresse, les bros, c'est un lit. Si vous avez besoin de nous voir, on saura que vous arrivez. Après votre départ, je vais devoir faire une inspection complète avant qu'on puisse partir, nous aussi. Vous n'aviez rien vu de louche en arrivant, hein? Mais non. Hey. Excusez-moi. J'ai quelques bricoles à régler. On se retrouve à Lexington. Bah ouais, mais je peux pas sauvegarder? Putain, mais c'est quoi ce délire? Je peux pas encore rentrer? Vous avez besoin de me voir. On saura que vous arrivez. Bah non, je peux pas encore rentrer, ok, très bien. Bon, bah désolé, donc en fait je spoil un peu dans le sens où je vous dis qu'on peut pas encore rentrer, donc vous imaginez bien qu'on peut rentrer. Mais du coup, en fait, je sais pas comment le faire pour sauvegarder. Parce que je vois pas de lit là. Mais ça doit être legit en fait. Bon bah du coup on va devoir repartir, trouver un lit et aller à Lexington, ce qui est pas du tout la porte à côté. Puisque c'est ici. Vous voyez un petit peu le pétrin dans lequel on est. Donc du coup bah, on a cette quête là, qui je pense va être notre quête principale dans la mesure où c'est eux qui vont pouvoir nous aider à nous préparer pour la mer luminescente. Mais on a d'autres petites choses. On pourrait aider Bobby au chantier du tunnel. On pourrait faire les petites quêtes qui nous ont été données. En remontant, on pourrait passer à côté de Concorde pour faire ça. Et ça, à Cambridge. Et puis on a pas mal de quêtes dans la ville aussi, hein, donc je sais pas. On pourrait aussi repartir sur cette quête là, je sais pas, on va voir un petit peu. Donc on va voir, déjà on va sortir d'ici, il nous faut absolument un lit, et puis après on avisera. Et j'ai bugué ou juste plus personne ne parle sur le chat? Parce que j'avoue que... Vu que j'ai qu'un écran là, je n'ai que le stream et pas le retour du stream, et des fois ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, je vais pas avoir deux écrans au bureau et deux écrans à la PS4 et à la PS3, donc je fais avec un seul écran. C'est peut-être Twitch qui a bugué, je sais pas. Attends, je vais vérifier quand même, parce que vu que vraiment personne parle là. Non mais ça allait, non, j'ai toujours le retour du stream en fait. Donc on est là, ouais, non, en fait c'est juste que vous ne parliez pas. Très bien. Putain, j'ai tellement mal au ventre les bros. En vrai, je sais pas comment je fais, t'sais. J'en ai parlé à la fin de l'épisode précédent, j'en ai parlé en aparté en stream. J'ai un mal de bide depuis hier soir, je me suis fait exploser le bide au resto chinois. Je suis vraiment dans le mal, j'avoue que je suis pas hyper hyper fifou là. Donc à tout moment, si je gerbe en stream, c'est votre faute. Hein. Je suis là mais je mange donc je parle pas trop. Non mais y'a pas de soucis, erreur et tout. Non mais c'était juste pour m'assurer que le stream a pas planté ou que Twitch déconne pas ou quoi, comme ça arrive de temps en temps. Donc voilà. Donc du coup bah, je ne sais pas trop vers où on va se diriger pour trouver un lit là. Resto chinois à volonté. Ouais Arito, j'ai craqué de ouf. J'ai craqué de ouf, j'ai invité ma maman et je me suis dit allez je me fais plaisir et tout. Parce que ça faisait une semaine en fait depuis dimanche dernier, donc ça faisait 5 jours hier. Que je voulais me faire livrer de la bouffe asiatique et que en fait le resto habituel ben, répond jamais, était toujours fermé et tout, donc en fait je pense qu'ils ont juste fermé définitivement une connerie comme ça.
Et du coup, hier, j'ai dit, bon allez, je t'invite au resto et je me fais plaisir. Et je fais beaucoup trop plaisir, quoi. C'est-à-dire que, voilà. C'est le truc où tu regrettes, après le resto, tu regrettes tout ce que t'as bouffé, en fait. Donc j'en étais là. Donc du coup, bon, c'est comme ça. Hein. Mais c'était hyper bon, tu vois, donc d'un côté... Donc là, faut vraiment être vigilant, il faut vraiment pas que je meure. Il y a deux zones à côté de nous en plus qui sont des zones de quête. Mais on va revenir à Good Neighbor. On va revenir à Good Neighbor, on va suivre le chemin de la liberté à l'envers en fait. Voilà. On va suivre le chemin à l'envers, je pense que c'est le plus sûr des moyens pour rentrer. Normalement ça repop pas. On est en mode survie. Déjà qu'en mode normal je crois que c'est 15 ou 30 jours de repop. En mode survie théoriquement c'est beaucoup plus. Parce que c'est une manière d'enrayer le farming en fait. Donc bien sûr ça semble être plus facile dans la mesure où bah du coup y a moins d'ennemis. Tu les as tués une fois, ils repop pas et tout. Mais c'est une manière d'enrayer le farming. Le farming mécanique. Est maîtrisé et du coup bah, ça ralentit le farm d'armes légendaires ou autre chose comme ça, donc voilà, même si c'est compensé par le fait qu'en mode survie il y a beaucoup plus d'ennemis légendaires basiquement, donc au final ça fait une moyenne, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais c'est pas pour me déplaire hein, parce que là je vous avoue que on n'est pas dans la merde. Donc on va tranquillement retourner à Gunneybourg et on ira, je pense, vu qu'on va aller se pieuter dans sa maison, je pense que dans la foulée on va aider Bobby. Mais avant d'aller chez Bobby, on va passer au stand de... Ah ben voilà, j'ai soif maintenant, c'est génial. On va passer au stand... Ah bon, j'ai toujours soif. Comment elle s'appelle de Gertrude, là C'est pas Cléo, le robot? Je crois que c'est Cléo. À son truc d'armes pour voir si on a assez de composants pour craft le silencieux sur le 10 mm. Pour le moment, j'en vois pas beaucoup les ennemis légendaires. Pour l'instant, c'est vrai que je vois pas une différence significative avec le mode normal. Mais d'un autre côté, dans mon mode normal, en fait, je l'ai tellement abordé différemment. En build full charisme et tout, que j'ai rencontré déjà beaucoup moins d'ennemis. Ce qu'il faut comprendre, mon mode normal, j'ai fait Sanctuary et j'ai tout nettoyé, commencé à construire et tout. Je suis allé jusqu'au drive-in qu'on avait vu, je crois, on l'a pas découvert sur notre map, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, on est mort entre temps. Ouais, on l'avait pas découvert, mais ouais, il est par là. Voilà. La première fois qu'on avait fait le chemin, on était parti par là. Et en fait on était mort après l'avoir découvert et ensuite on est parti comme ça. Mais du coup j'avais nettoyé et construit au drive-in également. Et je suis passé niveau 20 au drive-in. C'est à dire que j'avais tué genre 5 ennemis dans le jeu. J'étais déjà niveau 20 sur ma partie principale. Allez au troisième rail. Donc si vous voulez on n'est pas du tout sur le même gameplay et tout. Donc forcément bon en fait voilà. C'est tout. Il nous manque de l'aluminium. Bordel de cul. Et ouais, il nous manque vraiment que de l'aluminium. Ouais, bon, bah tant pis. Je teste uniquement mes armes. Attendez, on va faire un truc intelligent. Allez-y, jetez un œil. Voilà, comme ça, il y aura que l'aluminium qui s'affichera en mode attention, t'en as besoin et tout. T'as tout monté la construction? Bah ouais, en fait, vu que j'ai énormément construit, ça m'a donné énormément d'XP en fait. Voilà, donc c'est une autre manière de jouer. Hein. C'est, ça m'a donné beaucoup d'XP, beaucoup de capsules, vu que j'ai rush chef local et tout. Donc les plateaux télé donnent beaucoup d'alu. Oui, les plateaux télé, les plateaux chirurgicaux, bon, on va pas forcément aller rush un hôpital maintenant en fait. Donc pour l'instant, bah voilà. Donc du coup. On va dormir 5 heures. Putain. Eh ben, qu'est-ce que vous avez? On dort 5 heures. Plateau chirurgical, canatoie, tout ça. Bah, les hôpitaux, c'est génial pour l'aluminium, je trouve. Mais on va pas aller dans un hôpital maintenant. Eh ben,
Qu'est-ce que vous attendez? Allez, on creuse. Y a pas de l'aluminium chez elle. Donc c'est ici qu'il faut creuser, je crois. Ouais, voilà. Bon, ben on va l'aider. Ça nous fera un peu d'XP et puis elle nous offre quand même un lit, donc voilà, c'est pas mal. Il doit en avoir en vente juste à côté. Ouais, mais j'ai pas envie d'en acheter. Enfin, faut peut-être pas exagérer, quoi. J'ai tellement mal au bide. Putain, je suis même pas sûr de tenir tout l'épisode. Hein. Ok, les ouvriers du tunnel. Hey, je crois qu'on va enfin pouvoir passer. Putain, je me rappelle plus du tout de cette quête. Oh que oui. Tu crois que Bobby va nous payer cette semaine? J'en sais rien. Commence à me dire qu'on bosse à l'œil. T'as entendu quelque chose? Ça grouille de fangeux! On se tire! Me laisse faire foutre! Bonne chance, le petit nouveau. Il faut que j'extermine les fangeux, moi? Vraiment là? Oh, j'aime pas les fangeux. C'est quand même pratique d'être furtif. Hein. Ça va être beaucoup moins drôle. Mais en fait, ça passe crème, nickel. Bon, j'ai SVAV parce que c'est un légendaire et que j'ai quand même bien paniqué sa mère. Tiens. Et je crois d'ailleurs que ces fangeux font partie que ce bordel dans mon tunnel des farmables. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans mon tunnel? Il va y avoir du crabe au menu ce soir. Manger du fangeux? Bah, sans moi. C'est ignoble. Dur comme de la semelle et gluant en même temps. Au moins, vous avez pas pris vos jambes à votre cou, vous. Ça mérite une promotion. Vous serez mon nouveau garde du corps. Je crois qu'il nous faut encore une personne. J'ai un vieux copain. Il voudra une bonne part du magot, mais on a vu ce que ça donnait, la main-d'œuvre au rabais. Dites-moi juste où je dois aller et à qui parler. Je savais que vous me plaisiez. D'abord, je pense que le mieux, c'est de vous montrer notre cible. J'ai quelques affaires à régler à Diamond City. Allez chez le marchand de nouilles. Je vous retrouve là-bas dès que j'ai terminé. Ouais. C'est bizarre cette quête quand même. Hein. Oh. 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 Ça fait tellement putain de plaisir. Ça fait tellement plaise. C'est tellement le bonus légendaire parfait en plus. Oh, oh, le premier vrai putain de loot légendaire de ce stealth project là, hein, vraiment. Ah là ça régale. Là on peut le dire, ça fait très 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 plaisir. On va pas forcément fouiller le reste. Oh, ça fait tellement plaisir. Oh là, faut qu'on aille save tout de suite. Parce qu'il me semble qu'en plus de ça, c'est du légendaire farmable ici. Et du coup, bah en fait, si je meurs, ça va être autre chose. Donc voilà. Donc ouais, je pense que c'est un des meilleurs loots possibles avec éventuellement double balle ou un truc comme ça. Mais là, clairement, c'est assez ouf. J'avais fait une liste des bonus légendaires intéressants, je l'ai mis sur le Discord, je crois. Y a pas d'aluminium ici. Non, mais là, en vrai, vu ce qu'on vient de loot... Je vous rattraperai. Je pense qu'on va en acheter de l'aluminium. Commandez-vous un bol de nouilles.
parce que là, ouais, on sauvegarde. Allez hop. Ah, c'est insane. Là, c'est vraiment, vraiment cool. Par contre, je suis déshydraté et fatigué, mais. Après, on va explorer le reste de sa maison avec un peu de chance. Ventilateur, c'est de l'aluminium. Des ampoules, planche à découper. Ouais, rien de fou. On va voir. Ça a l'air tellement. Voilà, canette. Je me demande si là d'ailleurs on n'a pas ce qu'il faut déjà. Il y a de l'aluminium dans le briquet à essence. Ah merde, c'est chiant ça. Ouais, bon. Bah du coup, je sais pas combien on est d'allume, mais on va tester. On va voir en sortant et puis. Tu recycles l'ancien et tu mets les améliorations sur celui-ci. Oui, mais l'ancien, on va avoir de l'acier en le recyclant, pas de l'aluminium. Donc, ouais, non, mais de toute façon, le peu d'améliorations qu'il y avait sur l'ancien, on va les mettre là. Mais on va surtout essayer de craft un silencieux. Si j'ai un silencieux là-dessus, l'output de dégâts va juste être fou par rapport à ce qu'on avait. Hein. Donc c'est... Non, là, franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. C'est l'un des meilleurs loots qu'on pouvait avoir. J'ai une arme pour chaque situation. Chasse, protection, meurtre de sang. Donc déjà... Passionnel. Ah, mais ça, c'est chiant. Attends, il a quoi, lui? Culasse avancée. Mais culasse... Ouais, pour l'enlever, en fait, faut que je puisse craft une culasse standard. Et ça, c'est chiant. Pas attends, on va voir. Est-ce qu'on peut lui faire le silencieux? On peut craft le silencieux. On a récupéré assez d'aluminium. Et ça, c'est énorme déjà. Ouais, on va devoir récupérer un petit peu tout. Hein. Canon de course change quoi? Ne faites pas attendre, trésor. Mais ça, on s'en fout. Non, il faut qu'on récupère la culasse avancée. On va la mettre dessus, hop. Voilà. Le plus 25% sur full life peut être assez cool. Oui, il y a ça aussi des JM, j'avoue, mais plutôt sur des snipes du coup ça. J'ai récupéré un bonus meurtre, Bloom, avec plus 10% de dégâts quand je vise. Poignée tireur d'élite, des charges. On récupère la poignée et le chargeur aussi. Ne faites pas attendre, trésor. Et le viseur, il a quoi lui? Bah, on va récupérer le viseur lumineux aussi. Donc le canon, on s'en fout. Quoique, est-ce que ça influence la portée? Ah ouais, ça influence quand même bien la portée. Hein. Donc on va le récupérer aussi le canon. Mais j'ai pas assez de vis, putain. Ah, j'ai pas assez de vis là. Vous avez vu quelque chose qui vous plaît? Et si je le recycle? Ah ben non, je pourrais pas avoir les vis. En fait, c'est ça qui m'énerve sur ce genre de truc, c'est le... Bah, faut des vis à chaque fois, quoi. Alors que pour le canon de base, normalement, tu devrais avoir besoin de rien. Je sais pas. Ah, il me faut deux vis. Mais je pense que les deux vis, on les a chez la dame. On va voir, mais je pense que c'est on peut les récupérer. Ne serait-ce qu'avec les deux plaques chauffantes, je pense qu'il y a les vis. Il me semble que les plaques chauffantes, il y a des vis dedans. On va voir ça tout de suite. Oui, donc il y en a une ici.
et une en bas, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et voilà. Et on est bon. Et on peut avoir notre 10 mm légendaire full monté avec ce qu'on peut faire. Si tu recycles, ça te donne pas le mode. Non, Ice. Non, non. Je crois pas. Hein. Je crois vraiment pas. Alors, si quelqu'un a la réponse, il peut nous éclairer. Et coucou, Jerry. Mais vraiment, je crois pas que ça nous donne le mode hein, si on recycle. Culasse avancée, c'est bon. Canon léger à ouverture, c'est bon. On a 134 de portée. Poignée tireur d'élite qui nous aide à viser, c'est bon. Chargeur élection rapide, c'est bon. Lumineux, c'est bon. Silencieux, c'est bon. Prochaine étape, ce sera ça. Je pense. On gagne quand même 6 en précision. Ouais. Je pense qu'on va, on va partir là-dessus. Hein. Ouais. Du coup, ça... On va voir, on le recycle et on voit si on récupère un mode frein de bouche. Non, tu vois Ice, on le récupère pas du tout. Non, non, non. Donc, voilà. Et coucou Trouba. Alors, inventaire, arme. On va le mettre ici. L'arme que vous voyez là. Mais en fait, l'autre, celui-là, on va le mettre là, en deuxième, du coup. Faire la différence voilà. Entre la vie et la mort, l'artiste. Et on a une arme légendaire. Et c'est cool. Avant de repartir de cette ville, on va sauvegarder une dernière fois chez Bobby. Et après, on prendra la route. Et voilà. Ou alors, on va à l'hôtel. Parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on pourra dormir, faire une vraie nuit là. On va aller à l'hôtel faire une vraie nuit. Ouais, je pensais aussi, mais bon. Mais finalement, non. Donc, du coup, on va aller à l'hôtel faire une vraie nuit. Parce que je sais pas du tout quand on redormira. Il faudrait éventuellement qu'on achète de l'eau aussi avant de partir. Vous avez suivi le chemin de la liberté. Vous êtes fan de l'histoire. Ça fait plaisir de vous revoir. Bah, moi aussi. Alors, cette machine à bien. Ça date un peu, Fallout 4. Oui, mais oui, alors. Une quête du rail plus tard, tu vas être un peu salé. Non, Ice, parce qu'en fait, je sais de quoi tu parles et je trouve pas que ça colle au Stealth Project. Voilà. C'est considéré comme, effectivement, le meilleur 10 mm du jeu. Mais c'est surtout pour le SVAV en fait. Merde, j'ai oublié de payer ma chambre d'hôtel. Oh là là, quel con. Donc non, Ice, je pense pas que... Je comptais pas l'utiliser, tu vois. Je le trouve hyper galvaudé et assez surcoté pour le coup. Oh, c'est vous. Vous prenez une chambre aujourd'hui? La direction décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommages corporels. Marché conclu. Dernier étage, long couloir. Dernière porte à droite. Et on est reparti. Pam para pam 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 pam. Et oui Jerry, j'ai suivi le chemin de la liberté. On a fini du coup la quête, le chemin de la liberté, et on a la prochaine quête. On a juste découvert le chemin de la liberté. Et voilà. En fait, c'est là où on en est quoi. Donc si tu veux, on a fini la quête, le chemin de la liberté. Et le train de tes injures a commencé. Et il faudra qu'on retrouve Deacon près de la vieille autoroute. Voilà le l'état actuel des choses. Il y a un truc que j'ai oublié de faire également. C'est de cuisiner avant de repartir. Alors ce qui est con, c'est qu'on n'a pas d'eau sale. Donc on va pas pouvoir faire d'eau purifiée. Il va falloir en acheter au moins 2 ou 3 pour faire la route. Mais on a des côtes de chien, de la viande de fangeux, peut-être d'autres choses, je sais plus, enfin voilà. Donc j'ai pas pu avoir l'arme en question et franchement j'ai mieux avec mon 10 mm. Ouais, je pense que c'est cool sur un build pistolero SVAV, l'arme dont parlait Ice. Essayez l'hôtel Rexport. Mais quoi, vous êtes pour ce qu'on fait là, je vois pas l'intérêt en fait. Rail.
Alors, on garde nos bouchées d'écureuil absolument. On garde nos bouchées d'écureuil, viande de fangeux. Et voilà. Niveau perk, c'est quoi la prochaine étape? Alors, on en parlait justement tout à l'heure, parce que là, en fait, dans les perks fondamentaux de notre gameplay, il n'y a rien dans les niveaux qui arrivent. Le prochain, c'est au niveau 23, et on est niveau 18. Si vous voulez faire le 18, c'est ça? Ou 17? Non, on est bientôt au niveau 18. Donc, en fait, on pourra prendre Lone Wanderer au niveau 18. Et ensuite, on va monter le... Je sais jamais comment ça s'appelle en français. Le truc qui permet d'ouvrir les serrures, en gros. Et après, je sais pas. Elle a plus de dommages de base au-delà du bonus légendaire qui, effectivement, est là que pour le SVV. Ouais, mais du coup, tu vois, je préfère avoir là 10% de dégâts bonus qui vont scale sur Pistolero, sur la furtivité, sur tout ça. Que... Enfin voilà, on verra, on fera des comparaisons, mais... Je suis pas fondamentalement... J'ai oublié d'acheter de l'eau. Je suis pas fondamentalement d'accord. Après, j'ai on verra de la bien, bonne mais... marchandise. Jetez voilà. Un œil au rayon, est-ce que ça s'en vaut pas? Il y a souvent des bonnes surprises. Et donc du coup, ouais, j'ai d'accord. Monté crochetage et j'ai monté boyau de plomb. Parce que ça nous est toujours utile. Non, non, non. Hop. Voilà, on prend de l'eau. Est-ce qu'on prendrait de l'eau sale aussi? Ça coûte combien l'eau sale? 15. Ouais, bah, on va prendre ça. Hein. C'est toujours ça. Hein. On accepte et c'est parti. Donc du coup, on va repartir purifier notre salle. Quoi? Vous voulez faire un combat de regard? Non. Donc on part purifier notre salle et puis on part tout court après. Quoi? Non, je file pas d'échantillons gratos. Et voilà. Donc on a, si mes calculs sont bons, 5 eaux purifiées sur nous. Donc c'est pas trop mal pour reprendre déjà la route. Été chez Killer Bikini. Parce que du coup c'est pas prévu Jerry, donc j'ai pas envie de sortir du build que j'ai prévu. Tout simplement. Ils ont des armes de malade. Voilà. On pourrait mais en fait si je monte Lone Wanderer là, au prochain niveau, enfin je vais le faire, je gagne 50 de poids. Donc on passera à 220. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de mettre plus de force pour gagner 5 de poids par point de force alors que clairement bah là je peux enfin voilà je c'est comme si je mettais 10 niveaux en force d'un coup avec Lone Wanderer au niveau 2 donc tu vois enfin je préfère puis Lone Wanderer offre quand même des meilleurs bonus quoi. À quand armurier je sais pas Bloom, c'est quelque chose qu'on fera je pense uniquement quand on aura fini les quêtes du réseau du rail sans spoil voilà tel que j'ai prévu dans mon build c'est comme ça que ça va se passer je pense. Si tu montes ton agilité de base, tu peux être plus furtif. Oui, mais on le fera un jour également, ça. Le truc, c'est que théoriquement, avec un build full furtivité, si on arrive à avoir des bonus caméléons sur nos armures, sans monter l'agilité à fond, on sera indétectable. Donc, voilà. C'est-à-dire que tant qu'on ne tire pas et qu'on ne court pas, enfin, qu'on se met pas debout à courir partout, même devant un mec, il me verra pas. Donc, voilà. Après, il faut trouver du caméléon. J'en ai eu un sur ma partie principale alors que j'ai 170 heures de jeu. Donc maintenant, voilà. Donc du coup, Bobby, où est-ce qu'elle nous attend? À Diamond City, elle a dit cette gourde. Est-ce qu'on ferait pas d'autres quêtes en y allant? Est-ce que là, qu'est-ce que... Voilà. On pourrait aller chez Pikman, on pourrait aller à Cabot House, on pourrait aller à Hallucinogen Inc. On pourrait, je sais pas moi. Il y en a qui voulaient qu'on nettoie la bibliothèque publique de Boston, il y en a qui voulaient qu'on nettoie Backstreet Apparel. Il y avait le deal de drogue aussi. Le deal de drogue qui est ouais, voilà, à Backstreet Apparel. Je sais pas. Je sais pas trop. Il hein. Y a la bibliothèque publique de Boston qui doit pas être très loin. Ouais, mais ça c'est le super mutant donc c'est peut-être chaud. On va éviter les quêtes de super mutants pour l'instant. J'ai bien envie de faire la galerie Pikman tant qu'on est dans le coin.
Par contre, ça, je comprends pas. Parler à MacReady. Quand on lui a parlé, il voulait juste venir avec nous, non? Je sais pas. Sans parler de mode légendaire, tout ton stuff sera silencieux, ombré. Oui. À peu de choses près, oui. Ah, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire sur la route là? Parce que où est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on a à proximité? On pourrait aller à la galerie Pikmin, je sais pas si j'ai le level ou pas. Hein. Allez, je pense qu'on va se faire la galerie Pikmin. Ça nous fait une quête à rendre. Je sais pas ce que vous en pensez. Le truc c'est que je sais ce qu'il y a et ça peut être pas déconnant en fait. Donc je sais pas. Ah, c'est peut-être un peu tôt dans le jeu quand même. Non, on va tranquillement repartir vers Diamond City, je pense. Où on fera une halte avant de repartir vers, vers ici pour retrouver Deacon. Donc on va repartir vers Diamond City, ouais. Ça sera le plus safe. Enfin, safe. Je me comprends quand je dis safe. Fait qu'Abbot House, c'est pas dangereux. Ouais, mais j'ai la flemme d'aller là-bas, en fait. C'est la flemme. J'ai pas envie d'y aller maintenant quoi. Il est fort ce pistolet, mais qu'il est fort. Je suis tellement content d'avoir cette arme. C'est assez insane en vrai. Bah en fait Cabot House, ça dépend de ta progression dans la quête. Ça peut être très dangereux comme ça peut être safe au début. Enfin, tu vois, c'est... Donc après je sais pas où t'en es dans ta quête Bloom, mais ça dépend. Et ça dépend de ton charisme, ça dépend des choix que tu fais, de tout ça hein. Mais ça peut très vite tourner au vinaigre, Cabot House. Ou Cabo House, je sais pas comment vous dites. Moi je dis Cabot House, parce que c'est censé être en nom anglais. Donc voilà. On avait déjà pris sa lettre à lui, à Mikhail. En fait, maintenant qu'on connaît la route, c'est très très simple d'aller de Kunneibourg à Diamond City. On y était allé là, je crois. La cabotte de tes morts, tu as mangé avant. Style Cabot House. Vous êtes vraiment des FDP. Vous êtes les pires que le monde ait porté. Vous le savez, ça ou pas? J'y vais tellement en mode YOLO. Je me sens invincible avec ce gun. Mais c'est une connerie, hein. Eux, ils étaient peut-être anti-invincibles aussi, tu vois. Est-ce que ça sentirait pas les pics de super mutants, ça? Putain, je sais plus où je suis. Quelque part. Non, non, y'a personne. Il a rêvé le super mutant. Son chien a fait une crise cardiaque. Hein. Tu m'échapperas pas éternellement. Je sais que t'es là. Arrête de te cacher. Est-ce qu'on testerait pas nos dégâts pour déconner là? Je pense pas, hein, mais. Non, non, soyons raisonnables. Viens voir un peu par ici. Plus j'ai un cadeau, dommage. Pour
ce moment, je n'ai aucun souvenir d'être passé par là à l'aller. Feu à volonté! Ah mais moi je m'en vais hein. C'était son combat, pas le mien. Je sais pas ce qui branle la confrérie de l'acier là. Visiblement pas grand chose. Bah en fait Jerry, je l'ai très peu utilisé ce soir tu vois. Donc depuis que t'es arrivé j'ai peut-être lancé une ou deux fois, mais dans la première partie j'ai fait un max pour ne pas l'utiliser. C'est juste que pour l'instant tant que je suis pas sûr de kill, je préfère assurer les kills en mode SVAV en fait. Et j'ai jamais rentré dans ce camion moi. Là vous rappelez c'est là où il y avait les chiens et tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non y'a rien d'intéressant en fait. On va admettre que je suis médisant. Ah non mais tu étais clairement médisant. J'ai jamais vu une méduse pareille d'ailleurs. Il y a la drogue. Alors maintenant ça va être un dilemme entre... Enfin les bouteilles, non, les bouteilles j'ai continué à les utiliser pour l'eau. Mais il me faut du verre pour fabriquer mon viseur. Donc ça va être relativement complexe malgré tout. Et nous sommes à Diamond City. Où je vous rappelle, on peut dormir sans payer. En fait, je pense que c'est des trucs que j'avais jamais fait gaffe dans la partie normale. Mais le jeu doit en regorger d'endroits où l'on peut dormir sans payer. Il n'y avait pas de chien derrière moi. L'institut s'est construit sur les mines du CIT. Oh, trop tard, j'ai pas eu le temps de lire. La force correspond à votre puissance physique brute. Elle détermine le poids que vous pouvez porter ainsi que l'efficacité de toutes vos attaques au corps à corps. Et oui, c'est pour ça que j'ai 18 de force sur ma partie. J'ai arrêté de l'appeler ma partie principale, sur ma partie normale. Ce qui fait qu'avec une armure assistée, on peut avoir des coups de masse à 1800. Voilà. Ce qui est plutôt pas piqué des hannetons. C'est ma tournée. Vous offrez un verre à tous les gens que vous rencontrez? Non, pas vraiment. Je cherche un certain Henry Cook. Vous savez où on peut le trouver? J'ai pas buté lui. Il est mort. Vraiment? Qu'est-ce que vous savez à ce sujet? Pourquoi vous le cherchez? Je suis sa fille. Alors vous allez répondre à mes questions, oui ou non. Comment est-il mort? Je l'ai tué. Espèce de pourriture! Pourquoi je vous laisserai en vie? Qu'est-ce qu'on fait les bros? On la bute? On lui parle de l'adultère ou on la nargue? Moi j'ai envie de la narguer cette connasse. Hein. On va parler de l'adultère. Il avait une relation avec une femme mariée. Le mari m'a demandé d'y mettre un terme. Mon Dieu, j'aurais dû m'en douter. Cette vieille crapule. Il leur a pas volé. Fichez le camp. Avant que je change d'avis. Ne laissez pas le stress de la vie quotidienne vous tuer. Allez voir ailleurs. Seigneur, même le ciel n'est plus sûr. Vous avez vu cette espèce de dirigeable? La confrérie de l'acier? C'est qui ces types? Oh, elle avait rien d'intéressant. Non mais j'ai pas la buter la pauvre. Enfin genre à un moment donné... J'ai tué son père tu vois. Je peux comprendre qu'elle soit un peu salée. D'un côté, son père est capable de taper une femme mariée. Mais l'autre connard, il aurait pu s'occuper lui-même de ses problèmes. Surtout que c'est même pas moi vraiment qui l'ai tué. J'ai juste riposté alors que le mec que j'ai aidé voulait le tuer. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même sur des mécaniques différentes. Je trouve un petit peu abusif de me retrouver le grand coupable de cette histoire. Hein? Moi, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir stocker? Des mines à capsules. Ouais. Je pense pas en avoir besoin encore, là. On va au moins en stocker 2, 3, voilà. Au niveau du SUF,
Putain, on l'utilise tellement jamais le masque à gaz. Après, on voit pas la mer luminescente aussi, hein, donc voilà. Elle va trouver les moyens de te faire chier. Bon, on verra bien, écoute. Hein. Qu'est-ce qu'on va stocker? Je ne sais pas. On commence à avoir pas mal de trucs là. On va stocker tout ce qui contient des radiations, je pense. Qu'en pensez-vous? Ça, on le garde pour cuisiner. Le buff out, faut qu'on le vende. Les champignons luminescents, je crois qu'on les utilise pour fabriquer des médocs. Donc on va les stocker. Ah mais le melon il pèse trop. Voilà. Les poches de sang ça rend des PV mais ça me donne pas de la bouffe. Psycho on a pas besoin d'autant. On va en stocker 4. Pareil pour le Radix. Hein. Viande de chien on va la cuisiner, viande de fin en jeu aussi. Les viandes on va les garder de toute façon. Mais voilà, là on est pas mal hein. Un jour donne un minimum de swag à ton perso. Oui il faudra le faire un jour. Le truc c'est que comment dire, en fait ça dépend des items que je trouve, tu vois ce que je veux dire. Je préfère pour l'instant avoir, on va dire, le maximum d'ombrage et de discrétion, quitte à ce que ce soit pas swag, plutôt qu'avoir le style et me faire détecter comme un faisant, tu vois ce que je veux dire. J'ai oublié de stocker du bric-à-brac. On retourne dans la maison, on va stocker du bric-à-brac, j'en ai pas besoin là. On n'a pas de quoi construire quoi que ce soit pour nos armes maintenant. On va stocker du bric-à-brac et t'as fait la quête du mec de la maison. Oui. Mais je crois qu'il est parti. Et voilà. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus, si je dis pas de bêtises. J'ai la quête du docteur. Je sais pas si c'est pas lié à la quête du docteur. En vrai, je sais plus. Tu vois, les modes là, par exemple, ça prend du poids pour rien. Là c'est pareil. Ah merde, pas les bouteilles. Est-ce que j'ai stocké de la bouteille là? Non. Bah c'est bon. Donc les bouteilles on les garde pour évidemment les remplir. Voilà. Mais là on est pas mal hein. On est pas mal. Sachant que dans quelques points d'expérience on aura 50 kg de plus. Donc voilà. Je spoil pas, la quête est stylée. Je sais plus où on en est de cette quête, pour être très honnête avec toi, Bloom Bloom. On est rentré, on a vu qu'il y avait une facture, je crois, médicale. Et en fait, faut qu'on arrive à voler la clé. D'ailleurs, on va voir quelles sont nos compétences de vol à la tire maintenant. Mais vu qu'il fait jour, ça va pas être fou, je pense. Bon, on va bien voir. Une chance sur... Enfin, 3 chances sur 4. Les dernières... Coupe
Faut voir. On pourrait faire une save et tenter de le faire. Et on va faire ça d'ailleurs. Vous n'avez pas l'air en grande forme. Comme ça, si on se fait prendre et qu'on se fait tuer, ben on rechargera et puis voilà. T'es sérieux niveau 1, tu rentres par effraction. Je crois pas qu'on puisse si. Je sais plus. Je sais plus du tout. Tu portes beaucoup de bouffe, ça t'alourdit. Ouais, en fait, Jerry, le truc c'est que je sais pas quand est-ce que je pourrais retrouver de la bouffe quand je pars voyager. Donc voilà, mais là, franchement, on est bien. Hein. En termes de poids, en termes de tout ça, je pense que c'est pas trop mal. Donc on va essayer de voler la clé. On peut, il nous dit Bloom. Bah écoute, on va bien voir comment on peut ou pas. Hein. Mais spoil pas aussi, toi. Moi, j'ai envie de voler la clé. J'ai le droit de voler la clé ou pas? C'est bon, quoi. À un moment donné, merde. Hein. Donc on va voir si on peut rentrer par effraction, MDR. Déverrouiller, avancer. Quel gredin, celui-là. Attends, si je suis caché comme ça. Non mais il fait encore plus jour maintenant, putain. Et dans la maison, je pense qu'on peut. On va tenter. Chez Micker, prends soin de vous et de tous vos besoins thérapeutiques. Mais ça s'est passé. C'est passé. Avancer, c'est niveau 1. Ah bon. Tu m'as vraiment donné du fil à retordre, tu sais. Mais je crois qu'on a terminé. Notre petite erreur sera bientôt corrigée. Oh, pas bien, pas bien. Cet endroit est interdit au public. Mais ce n'est pas grave, je peux arranger ça. Je peux tout arranger. Ça, c'est Earl Starling, alors. Qu'est-ce que vous avez fait à Earl Starling, docteur? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. C'est Earl. C'est lui qui refusait d'être heureux. Ah oui. Les bons patients repartent avec un beau visage tout neuf. Les mauvais patients saignent partout sur le sol et gâchent la vie des gentils chirurgiens. Vous avez opéré Earl et il y a eu des complications fatales, c'est ça? J'ai peut-être un peu forcé sur le jet avant d'opérer, c'est tout. Ok, j'ai sectionné une ou deux artères de trop, et alors? Ça arrive à tout le monde? Mais j'ai essayé de tout arranger, vous voyez? Je savais que si Earl disparaissait, tout le monde penserait que l'Institut l'avait enlevé. Je vais le buter. Je vous le dis, je vais le buter. Pourquoi les gens penseraient-ils que l'Institut avait enlevé Earl Starling? Parce qu'ils enlèvent tout le temps plein de gens, c'est tout. Tant qu'il n'y a pas de cadavre, tout le monde pense à l'Institut. C'est pour ça qu'il faut faire disparaître le cadavre d'Earl. C'est ça que vous étiez en train de faire? Charcuter la dépouille de ce pauvre Earl? Mais pas facile de se débarrasser d'un cadavre de 90 kilos sans attirer l'attention. Heureusement, la boucherie n'est pas loin. Bon, je vais le buter. Qui remarquerait une ou deux caisses de viande faisandée de plus ou de moins par semaine? Alors, en revanche, on serait dans le Crazy Project quand on jouera Harley. J'essaierai de l'épouser, ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est pas l'idée. Donc, on va le buter. Oh, et puis merde. Saluez Earl de ma part. C'est beaucoup plus cinématographique comme ça. Je peux tout arranger. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le docteur Crocker? Doc. Je crois que vous me devez des explications. Que s'est-il passé ici? Je suis honnête. Le docteur Crocker a tué Earl Starling. Et il a essayé de me tuer, moi aussi. Le docteur Crocker a tué Earl? La reconstruction faciale? Il avait bel et bien pratiqué l'opération, finalement. Ça explique beaucoup de choses. Oh, c'est horrible. Je savais que le docteur Crocker tenait à sa réputation, mais... ça dépasse l'entendement. Voilà, c'est réglé. Une bonne chose de faite. Une bonne chose de faite? Le meilleur chirurgien de Diamond City est mort après avoir découpé l'un de ses patients en morceaux, et tout ce que vous trouvez à dire, c'est... une bonne chose de faite? Oui.
Vous avez sûrement raison. Laissez-moi. J'ai un rapport à faire à la sécurité et un carnage à nettoyer. À plus. Mais avant... Mais je l'ai déjà, sa clé, lui. Voilà. Oh, je peux pas prendre des trucs alors qu'il y a de l'eau. Oh, je reviendrai plus tard. Salut, Doc. Je vais faire un rapport détaillé à la sécurité de Diamond City. Elle est géniale, j'avoue que c'était cool. C'était cool. On va... aller voir Ellie. Ça nous fera de l'XP. Bah, au moins on sait où il est passé, hein, Starling, et du coup j'espère que j'ai sa maison. Encore. Est-ce que vous avez retrouvé Earl Sterling? Earl n'était pas allé bien loin. C'est le docteur Crocker qui l'a tué. Erreur médicale. Crocker a tué Earl? Ça faisait si longtemps qu'on était sans nouvelles. Je pensais plutôt à un coup des pillards ou de l'institut. Mais Crocker? J'espère que ce boucher est en train de pourrir dans une cellule. Il est en train de pourrir quelque part. Pas de doute là-dessus. Quelque part? Qu'est-ce que vous... Oh, c'est horrible. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû vivre ça. Oh, ça va. C'est pour vous. Vous l'avez bien mérité, on dirait. Je vais annoncer la nouvelle à l'auberge de l'abri. Ça va leur faire un choc. Mais non. Merci. On va pouvoir refermer définitivement ce dossier. Et 202 capsules? Faites attention en allant chez les Nakano. Ils sont sacrément isolés. Bah c'est worse. Y a-t-il d'autres enquêtes? Je ne pense pas. Bon, on va aller sauvegarder. Je me demande ce qu'il y a entre Monsieur Nakano et Nick. On va aller sauvegarder. Ouais. Non, avant ça, on va faire un passage là-bas. Je me rappelle que j'ai une bouteille d'eau. Voilà. Suite à ça, on va aller sauvegarder. En passant par là pour esquiver Bobby. Ah mais attendez. Maison de Myrna. J'ai envie de trouver la maison du Dr. Sun. Mais c'est ce qu'on fera. Et du Dr. Crocker aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mocronine. Alors comme ça, c'est Crocker qui a tué Earl Sterling. Et c'est vous qui l'avez découvert? Vous essayez de nous faire une mauvaise publicité, ouais. C'est ça? Résidence des Pembroke. Pourquoi je peux rentrer ici, moi? Mais vous savez quoi, on va les sauvegarder. Et ensuite on se fera un petit tour de Diamond City, je vais pas dire mise à jour, mais maintenant qu'on a récupéré quelques clés de maison, qu'il y a certaines maisons qui nous sont accessibles et tout ça, on va refaire un petit tour de la ville avant d'aller voir Bobby au Baranouille et du coup de poursuivre sur la quête de Bobby. Parce que je sais pas du tout ce que c'était finalement. Donc du coup on dort 8 heures. Non, on va dormir qu'une heure juste pour sauvegarder et garder la nuit. Voilà. Donc cet épisode 26, je crois que c'était le 26, oui, est terminé. YouTube, j'espère qu'il vous aura plu. On a pas mal avancé avec un avancement dans la quête du chemin du rail, du réseau du rail, pardon, avec le chemin de la liberté. D'autres quêtes, histoire de reprendre la route sans qu'on soit en train de rien faire et juste marcher. Donc ça nous amène de lieu en lieu et tout ça. Et je trouve ça pas mal. Donc voilà, donc du coup on va explorer un petit peu Diamond City au prochain épisode et tout ça. Enfin, vous découvrirez ça demain théoriquement dans la vidéo YouTube qui sortira demain. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vais vous faire des gros bisous YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt, ciao.